Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Ici, on va parler d'un produit assez spécifique, un très beau produit. Alors, vous connaissez, je suis fan de café, mais on a également beaucoup de clients qui sont amateurs de thé. Et on nous a demandé de faire quand même une vidéo ou deux vidéos qui consacrent un peu le thé. Alors, dans le domaine de l'électroménager, une bouloire, etc., tout ça, vous connaissez. On a déjà fait des vidéos qui consacraient le détartrage d'une bouloire. Là, c'est un produit premium, c'est un produit particulier, c'est un produit deux en un. C'est une bouloire traditionnelle et magnifique, mais c'est également une théière automatique. Donc c'est une bouloire traditionnelle, vous savez faire chauffer de l'eau de 50 à 100 degrés avec un sélecteur de température, mais évidemment une théière, c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Donc quelle est l'idée d'une théière? Ce qui est important dans le thé, quand vous commencez à acheter du thé en vrac, du thé de bonne qualité, c'est qu'il faut la bonne température. Tout d'abord, selon le thé que vous prenez, que ce soit du thé vert, du thé blanc, du thé au long, voire vos propres mélanges, vous devez savoir régler la température et également le temps d'infusion à l'intérieur. Alors la bouloire a des programmes automatiques, le thé que vous souhaitez, on a thé vert, thé blanc, thé noir, tout ce que vous souhaitez, et également, si vous le voulez, corsé ou moins corsé, ce qui réglera le temps d'infusion à l'intérieur de votre théière. Mais quelle est la particularité, outre cet extérieur en vert, c'est que vous avez, en fait, l'infuseur qui est ici dans lequel je viens de placer du thé, qui est en inox tout d'abord, donc vous oubliez définitivement les sachets, vous le placez à l'intérieur de votre bouloir. Ici j'ai mis du thé vert, donc vous pouvez soit faire confiance à votre bouloir ou simplement vous référer tout simplement à ce que votre marchand de thé vous conseille. Donc la bouloir va monter jusqu'à 60 degrés et quand elle est à température, je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez la fonction T, vous appuyez dessus et vous laissez faire. Et je vous ferai découvrir à la fin de la vidéo une toute petite astuce absolument géniale au niveau de cette théière. Donc, particularité sur cette bouloire, vous avez également la température, donc la progression qui est affichée. Très très important sur cette bouloire. Vous avez également une fonction maintien au chaud. Vous le verrez, et il vous indique le temps qu'il maintient au chaud, toujours très agréable. Et la fonction basket qui sert quand vous avez plus d'un litre à jouer avec le filtre, histoire que votre thé soit vraiment infusé de manière optimale. C'est parti. À ce moment-là, l'infuseur en inox descend, s'immerger complètement dans l'eau, et le temps démarre. L'avantage de cette bouloire, c'est que vous n'avez pas à vous préoccuper du temps. Elle fait tout, toute seule. Le temps est terminé. Automatiquement, l'infuseur remonte. Donc le panier remonte dans la bouloire. Ainsi, vous ne ratez pas votre thé. C'est ça qui est important. Il a infusé de manière optimale. Le temps et la température étaient absolument parfaits. Dernière particularité, comme je vous le disais précédemment, il a un maintien au chaud. Il garde vos traits et il vous explique que le temps, il a terminé depuis 9, 10, 11 secondes. Donc il vous dit, voilà, votre thé est terminé depuis peut-être 2 minutes si vous étiez occupé à autre chose. Et vous savez, maintenir au chaud si vous le souhaitez en simplement enfonçant cette touche. Alors, vous avez également un filtre. Voilà. La dernière fonction qui me tient à cœur de vous expliquer. Alors, vous allez me dire, c'est un détail absolument délicieux. La dernière fonction qui me tient à cœur de vous expliquer, c'est un détail. Alors, je m'attache parfois à des détails, c'est vrai, mais on parle toujours en machine à café, même en électroménager, de départ différé. Eh bien, cette bouloire, c'est possible. Donc, vous mettez l'eau, vous mettez le thé dans le panier, vous indiquez l'heure qu'il est, l'heure à laquelle vous voulez qu'il démarre. Si vous vous levez à 6h du matin, vous le réglez à 6h moins 10 et au moment où vous arrivez dans la cuisine, votre thé est prêt. Il a donc un démarrage différé via cette touche auto-start. Vous réglez simplement l'heure actuelle et l'heure à laquelle vous voulez qu'il démarre, soit c'est le matin, soit c'est l'après-midi. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à cette magnifique bouloire théière 2 en 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et même LinkedIn pour le réseau professionnel. Passez également nous voir en magasin ou simplement sur notre site de vente en ligne. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !